En route, on a vu des obus qui ont tombé sur une maison. On est allé, les journalistes, on est accourus là-bas pour voir s'il y a des gens qui ont été blessés ou tués. Et c'est là qu'on a entré dans la maison. La maison était bien, on a vu les traces de l'obus. Et après, il y a eu un deuxième tir d'obus du côté de Babsba. Et j'ai vu des gens qui ont été tués par terre. Je commençais à prendre les photos. Et les journalistes ont descendu en bas pour voir ce qui se passe. Et on reçoit un troisième obus. J'ai vu Gilles par terre. Notre collègue de France 2, il était dans un étang de sang. Et j'ai vu notre collègue Steven Belgique, Caroline de match de Paris Match qui a paniqué, qui a 11 h, tout le monde a paniqué. On est choqué. Nous, on veut seulement partir de quitter la ville. Quand on est rentré de l'hôpital avec nos chauffeurs, il n'y avait même pas un chat dans la rue. Il n'y avait personne. C'est vide. Les rues de Homs sont vides. C'est une ville fantôme le soir.